Mesdames et messieurs, je vous invite à prendre place. Bien, si le quorum est atteint, oui il l'est, nous pouvons donc démarrer nos travaux. Alors, bien. Je vous propose de démarrer cette séance du Conseil de Métropole avec, en ce début de Conseil d'abord, une information concernant le retrait de 3 délibérations. Pour information, la première concerne des travaux de renouvellement de conduites d'eau potable, d'eau usée, d'eau pluviale sur l'avenue Charles de Gaulle, sur la commune de Pont-de-Clé. Ainsi que, non, je crois que les choses ne sont pas encore prêtes, c'est tout, donc voilà. La convention entre la métropole et Arcolia Énergie, le partenariat de recherche et développement R&D relatif au sujet de la méthanisation des déchets, qui est décalé, le vice-président l'indique, et également, mais ça c'est tout frais de ce matin dans les discussions que nous avons pu avoir avec le département de l'Isère, tout simplement le retrait de la délibération concernant la création de la voie de rabattement et de restructuration de l'avenue de l'Art de Janson à Vif. Il s'agit de l'avenant numéro 1 au transfert. À la demande du département, il nous a été proposé de la retirer. Voilà, pour d'autres instructions. Ce que nous avons fait, évidemment, pour que le travail puisse se faire. C'était de ce matin. Sur ce, j'ai le plaisir de vous proposer comme secrétaire de séance Pierre Véry. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Non? Donc Pierre Véry est désigné secrétaire de séance. Il y a l'approbation du relevé de délibération de la réunion du Conseil du 3 novembre 2016. Est-ce que ce relevé appelle des observations? Pas d'observations? Je mets aux voix qui s'opposent, qui s'abstient. Unanimité, merci. Également, le relevé de délibération de la réunion du Conseil du 4 novembre 2016. Est-ce que ça appelle le même vote? Même vote, ainsi il en est décidé. Sur le rapport du président sur les décisions prises par délégation du Conseil, est-ce que ce rapport appelle des observations? Non, donc il a été donc vu et j'ai le plaisir, en ce début de Conseil, de suspendre la séance immédiatement pour tout simplement accueillir et ensuite laisser la parole à Jean Civardière. S'exprimant au nom de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, la FNOT. Je salue également Nathalie Tepp de la DTC, sa présidente. Je salue Philippe Zanola de Rue de l'Avenir, qui nous font le plaisir d'être là en ce début de conseil. Tout simplement, je rappelle que la FNOT, c'est 150 associations piétons, cyclistes, usagers des transports en commun, encore autopartageurs, et notamment la DTC et Rue de l'Avenir d'ailleurs, qui sont représentées, qui a décerné à la métropole grenobloise ce que l'on appelle un ticket vert pour la démarche de métropole apaisée. Donc je laisse la parole à
Jean Civardière. Voilà. Merci. Bien, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, permettez-moi en quelques très rapidement de vous présenter notre fédération. Nous sommes à la fois une association de consommateurs, l'une des 15 associations de consommateurs agréées par l'État, une association de défense de l'environnement et un groupe de réflexion sur la politique des transports. Comme votre président vient de le rappeler, nous rassemblons à peu près 150 associations qui sont réparties sur l'ensemble du territoire français. Et tous les deux ans, de manière régulière, depuis la création de notre fédération en 1978, nous nous réunissons en congrès. Et à cette occasion, nous décernons des prix, des tickets verts destinés aux bons élus et des tickets rouges, disons, destinés aux méchants. Alors, cette année, à la fin du mois d'octobre, nous avons eu notre 20e congrès qui s'est réuni à Strasbourg. Et à cette occasion, nous avons décerné un ticket vert à la métropole de Grenoble pour l'instauration du 30 km/h en ville. Et nous avons salué en particulier l'action de votre président, M. Ferrari, de Yann Mongaburu et de Ludovic Bustos, ses adjoints, et ainsi également M. Éric Piolle, le maire de la commune Centre. Mais nous savons qu'il s'agit également d'une démarche collective. Alors pourquoi attirer l'attention sur l'instauration du 30 km/h en ville? Eh bien, pour trois raisons. La première raison, c'est que le 30 km/h en ville est une mesure en quelque sorte polyvalente qui présente de très nombreux avantages. Cette mesure permet de réduire un peu la consommation d'énergie. Elle permet surtout d'apaiser la ville, de réduire le bruit, de réduire le stress. Et puis, elle permet également d'inciter les citadins à se déplacer davantage à pied et en vélo, ce qui permet indirectement de réduire la pollution de l'air. Et j'ajouterai qu'un quatrième aspect très intéressant, c'est que cette mesure, en incitant à la circulation à pied et à vélo, est très favorable au commerce central, puisque, comme chacun sait, le commerce central est surtout alimenté par les piétons et les cyclistes et les usagers des transports collectifs. La deuxième raison pour laquelle nous avons décerné ce prix à Grenoble Métropole, c'est que le 30 km/h en ville est une mesure déjà ancienne. Elle a été instaurée pour la première fois à Graz, une ville autrichienne de 250 000 habitants située en Carinthie, dans le sud de l'Autriche. Elle a eu beaucoup de succès. Malheureusement, elle s'est peu répandue en France. Elle s'est répandue ailleurs en Europe, mais peu en France, uniquement dans des petites villes. Et nous avons été particulièrement intéressés de voir qu'une grande agglomération, comme l'agglomération grenobloise, plus de 400 000 habitants, adoptait cette mesure. Et enfin, la troisième raison pour laquelle nous avons salué cette initiative, c'est que nous savons que, d'une manière générale, toutes les initiatives un peu innovantes, un peu courageuses, qui remettent en cause, d'une manière ou d'une autre, la libre circulation automobile, sont critiquées. Et nous souhaitons apporter notre soutien à cette démarche. Alors, l'histoire grenobloise montre qu'effectivement, toutes ces initiatives favorables à la qualité de vie urbaine, finalement, sont critiquées avant et plébiscitées ensuite. On l'a vu avec l'instauration de la zone piétonne Place Grenette. À l'époque, on nous disait c'est bon pour les Italiens, mais c'est pas bon pour les Grenoblois. Ensuite, avec le tramway, on nous a dit « Ah, le tramway, c'est bon pour les Suisses, mais pas pour les Grenoblois ». Pour le vélo, on nous a dit « C'est bon pour les Hollandais, mais pas pour les Grenoblois ». Et puis, pour le 30 km/h en ville, là, personne n'a dit « C'est bon pour les Autrichiens, mais pas pour les Grenoblois ». Et puis, un jour, je pense, il sera certainement question du péage urbain, alors à ce moment-là, on nous dira « c'est bon pour les Scandinaves, c'est bon pour les Suédois, les Norvégiens, les Londoniens éventuellement, mais c'est pas bon pour les Grenoblois ». Et je pense que ce jour-là, on s'apercevra que c'est une mesure très intéressante. Alors, je ne vais pas allonger mon discours, je voudrais simplement remercier tous les élus pour l'adoption du 30 km/h en ville. C'est une mesure courageuse et je pense qu'elle est manifestement d'intérêt général. Je vous remercie.
Je voudrais évidemment remercier la FNOT pour ce ticket vert, pour que la métropole tient à partager avec l'ensemble des communes volontaires. La singularité comme la force d'une telle démarche a été justement dans son caractère éminemment collectif. Et c'est évidemment un prix collectif que nous recevons aujourd'hui. Je voudrais, et vous me le permettrez également, j'en suis convaincu, dédier ce prix, même si l'idée initiale a été de notre collègue maire de Vizille, qui a fait germer cette idée, donc nous le saluons, mais dédier collectivement ce prix à notre ami qui avait porté cela, vice-président, Luc Puissat, et qui avait initié cela, ensuite repris par Ludovic. Mais effectivement, je pense que c'est aussi une façon de nous remémorer l'action de Luc que de lui, tout simplement, lui dédier, je dirais, cette récompense aujourd'hui, ce ticket vert. Je me félicite de la distinction qui encourage tout simplement à poursuivre la politique ambitieuse qui est engagée aujourd'hui par la métropole au service d'une mobilité durable, sans exclusive, en ayant toujours ce regard large sur l'ensemble des mobilités. Politique plus que jamais indispensable à l'heure où le pic de pollution court vient rappeler l'impérieuse nécessité d'agir. Je salue à titre personnel, comme au nom de la métropole, Monsieur le Président, votre action infatigable. À l'heure, je le crois, d'une retraite, on ne peut plus mériter, mais je sais que le mot retraite pour un militant infatigable comme vous n'existe pas vraiment. Donc en tout cas, vous saluez, et je sais qu'on peut compter encore sur vous et votre réflexion et vos travaux et les travaux de l'ensemble des personnes qui, je dirais, travaillent avec vous pour faire avancer, encore une fois, un certain nombre de sujets. Et je dirais, vous savez que la métropole grenobloise sera toujours attentive à ce que nous pourrions faire en termes d'expérimentation, en termes d'essais, pour pouvoir accompagner et essayer d'être les plus imaginatifs et créatifs possibles sur notre territoire. Je voudrais, après cette suspension de séance, si vous en êtes d'accord, encore que non, même si vous n'en êtes pas d'accord, inviter les maires des communes volontaires, mais aussi celles qui ne l'auraient pas été, mais qui seraient éventuellement intéressées de l'être dans les semaines qui viennent et qui ont expérimenté, à nous rejoindre à l'extérieur, sous l'oiseau, pour que nous puissions faire une photo collective de ce prix, avec évidemment les maires et Jean Civardière, Nathalie Tepp et également Philippe Zanola, pour illustrer ce prix tout simplement, collectif. Donc on se prend quelques minutes et nous nous retrouvons sous l'oiseau métallique, sous les ailes protectrices de ce bel oiseau. Donc je vous invite à rejoindre les lieux, les maires.
Bien, mesdames et messieurs, on reprend la séance avec un point d'information que je souhaitais partager avec vous, de vous informer que Louis-Mathieu Roux prend la direction de cabinet de la métropole. Je voudrais saluer le travail qui a été mené par Vincent Rabillard dans cette période de construction et on fait effectivement lui souhaiter plein succès dans son travail. C'est quand Georges Burba dit ça, ça rose, on compte sur lui pour organiser ça. Bien, nous passons, nous démarrons par les mobilités avec la mise à jour de la grille tarifaire de Métro Vélo. Est-ce que ça appelle des observations? Non, je mets aux voix qui s'oppose, qui s'abstient, unanimité. Sur le renouvellement urbain de la Villeneuve, la cession d'un box dans le parking Arlequin situé 40 rue des Trembles sur la commune de Grenoble, est-ce que ça appelle des observations? Non, je mets aux voix qui s'oppose, qui s'abstient, unanimité. La parole est au vice-président Yann Mongaburu pour la charte partenariale du covoiturage et des parkings relais de la grande région grenobloise. Merci Monsieur le Président. Une charte résultat d'un travail partenarial de plus d'un an, j'y reviendrai, partant d'un constat qui est largement connu et qui est évident. Plus de 340 000 véhicules entrent dans le cœur urbain métropolitain chaque jour dans notre territoire. 340 000 véhicules avec un taux moyen d'occupation de 1,3 personnes. 1,3 personnes pour des véhicules qui permettent pourtant de faire voyager 4 à 5 personnes et qui sont établies pour ce faire. Un taux qui descend encore plus bas pour les déplacements domicile-travail et ceux de longue distance. Un taux d'occupation qui descend dans notre territoire dans ces cas-là à 1,06. Une situation qui contribue à la congestion en entrée d'agglomération, que ce soit dans la branche nord-est, dans la branche nord-ouest ou dans le grand sud métropolitain, autant concerné, puisque 120 000 véhicules jour utilisent les parcours du sud métropolitain. Ce constat, il est connu. Les pistes de solutions pour faire de la voiture un transport collectif et non plus individuel sont connus aussi. Nous avons donc travaillé au sein de l'établissement public du SCOT sous la présidence et la responsabilité de Luc Raymond, dont je veux saluer ici le travail depuis un an, sur cette charte partenariale qui vise à poser les intentions partagées de l'ensemble des partenaires en termes de déplacement. Je citerai évidemment, tous ceux qui ont contribué assidûment, le Voironnais en premier lieu, compte tenu de l'animation par notre collègue Luc Raymond, mais aussi le Trièves, le Grésivaudan, le Sud Grésivaudan, le Pays de Saint-Marcellin, le Pays de Chambaran-Vinay-en-Vercors, Bièvre-Isère, le Parc de Chartreuse, le Parc du Vercors, Loisan, la Matésine, le Valbonnais, Beaurepaire, évidemment la région Rhône-Alpes et le département de l'Isère qui y ont âprement contribué. À travers cette charte, nous posons l'ambition de faire de la voiture un outil de transport collectif. Avec trois objectifs, réduire la congestion aux entrées de l'agglomération grenobloise, limiter, réduire la pollution atmosphérique, et l'actualité nous rappelle cruellement le besoin d'agir, mais aussi les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie, et offrir des solutions de mobilité complémentaires au transport en commun et favoriser l'intégration sociale des populations pour lesquelles le coût énergétique des déplacements ne cesse d'augmenter. En réduisant les kilomètres parcourus en voiture,
En augmentant le nombre de personnes qui partagent la voiture, nous avons une solution pragmatique à disposition pour atteindre ces objectifs. Nous nous engageons à travers cette charte à travailler avec l'ensemble des territoires voisins sur un cadre non plus d'intention mais opérationnel qui arrivera à échéance en fin d'année 2017. Un cadre qui vise à avoir une politique de stationnement d'aire de covoiturage qui soit coordonnée à l'échelle du bassin de déplacement à travers l'établissement public du SCOT, localiser le réseau de parking relais, les aires de covoiturage, les points de dépose reprise de manière cohérente. Vous le savez, dans notre territoire, nous entamons ce travail opérationnel dès janvier 2017 et je veux ici souligner la mobilisation des maires qui ont répondu favorablement pour la mobilisation d'aires de covoiturage complémentaires pendant les pics de pollution. La signalétique sera organisée dès janvier 2017 en fonction des retours de chacune des communes. Un panel d'actions aussi coordonné pour mettre en place un jalonnement commun, une animation, choisir des services de communication ensemble à travers une plateforme qui nous est commune, Covoitura, mise en place par la région Rhône-Alpes et que nous choisissons à travers cette charte de mobiliser de manière convergente. La mobilisation aussi des plans de mobilité durable dont l'établissement public du SCOT nous invite à faire des outils pour intégrer le covoiturage dans les politiques de mobilité des entreprises. C'est ce que nous avons pour notre part engagé par le biais du syndicat mixte de transport en commun avec d'ores et déjà 12 entreprises volontaires. Cet élargissement à l'ensemble des entreprises se fera au cours de l'année 2017. Et enfin, mettre en commun les expérimentations qui pourraient être portées collectivement. La première étant le stop organisé. Nous travaillons là avec l'ensemble des partenaires pour mobiliser le même prestataire et la même logique et libérer d'autres expérimentations. Chaque partenaire s'engage à donner le bilan des expérimentations de l'année 2017 à l'ensemble des autres partenaires pour que nous puissions déployer les modèles qui fonctionnent. Pour notre part, le syndicat mixte a déjà délibéré sur la mise en place de Tag and Pass dans le sud Isère ou de carrosses sur la presqu'île scientifique. Enfin, porter ensemble les avantages comparatifs que nous pouvons mettre en place, expérimenter dans notre territoire potentiellement pour donner un avantage comparatif aux covoitureurs, à ceux qui font l'effort de partager leur voiture, comme l'une des habitantes de Vars nous y invitait avant-hier sur France 3. Des avantages comparatifs que nous voulons étudier durant l'année 2017 pour les porter auprès du gouvernement, que ce soit en termes de tarification avantageuse au péage, dans les parkings, de capacité de s'arrêter dans des aires dédiées ou de voies dédiées au covoiturage sur les pénétrantes de l'agglomération grenobloise. Voilà les intentions sur lesquelles nous sommes amenés à délibérer pour travailler de manière partenariale sur cet enjeu qui est commun, faire de la voiture un transport collectif et non plus individuel. Merci. Merci, Monsieur le Vice-président. La parole est à Jean-Damien Mermillon-Blondin. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. On m'a appris à ne pas interrompre un artiste quand il est en représentation. C'est pour ça que lorsqu'on a parlé ticket vert, je n'ai pas voulu gâcher la fête. Je vais quand même en dire un mot, j'en suis désolé. Pardonnez-moi de gâcher ce moment. La métropole apaisée conduit à ce ticket vert. C'est sans dogmatisme que je prends la parole parce que, à titre personnel, pour la commune dont je suis le maire, voilà 6-8 mois que nous sommes en train de travailler sur une concertation pour aller potentiellement sur la mécanique de métropole apaisée. Donc je le dis bien tranquillement et on avance plutôt bien et il est possible, même assez probable, que l'on aille vers ce système-là. Parce que c'est une demande de nos habitants et parce qu'il y a un effet très puissant de la métropole apaisée, c'est sur la traumatologie. C'est prouvé, ça baisse la moyenne de la vitesse, on le sait, il y a des schémas, il y a des études. En revanche, mais peut-être qu'un élément m'a échappé, auquel cas je saurais m'excuser et
et puis je saurai m'instruire. Je crois qu'il n'existe aucune étude aujourd'hui, aucune, qui permette de dire que la métropole apaisée permette d'améliorer la pollution. Ça avait été affirmé dans le dossier de presse, page 6, que cela pouvait résoudre partiellement, évidemment, le problème de pollution, mais il me semble que lorsque des citoyens de la métropole ont eu l'occasion d'échanger avec monsieur le maire de Grenoble sous le haut patronage du Dauphiné libéré, il a été dit par monsieur le maire de Grenoble qu'effectivement, la métropole apaisée n'avait pas pour but de réduire la pollution, qu'il n'y avait pas d'effet mesurable ou mesuré à cet effet. C'est bien de recevoir des prix, c'est toujours mieux que rien, mais manifestement, la cause de ce prix prête sujet au moins à interrogation. Alors, ça prend encore tout son sens quand on sait qu'aujourd'hui, on reçoit un tel prix dans une métropole où on est dans un pic de pollution, je ne dirais pas sans précédent parce que j'essaie de rester objectif, en tout cas qui est très important, et que malgré les mesures que nous prenons, eh bien, le pic ne diminue pas. Voilà, je suis désolé, vous direz peut-être que c'est parce que nous sommes l'opposition et que nous faisons ceci ou cela, notre numéro d'artiste, pourquoi pas, pour rebondir sur ce que j'ai dit, vous en direz ce que vous voudrez, mais en tout cas, les faits sont tenaces. Il me semble aujourd'hui, et sous réserve de ce que vous pourrez me dire, que s'agissant de la métropole apaisée, sauf à faire de l'autopromotion, il n'y a rien qui démontre aujourd'hui que cela réduit la problématique qui nous occupe toutes et tous depuis plusieurs jours, à savoir la pollution. Merci. Pas de sur la charte partenariale en matière de covoiturage, pas d'éléments particuliers? Non? Très bien. Donc je laisse la parole à Catherine Kamowski. Oui, merci Président. Donc je prends la parole au nom du groupe Nice que sur cette charte et sur cette délibération. Alors, en préalable, nous sommes totalement favorables à la charte et nous la voterons, ce n'est pas le problème en soi. Il faut effectivement encourager toutes les initiatives qui visent à diminuer de façon incitative et non coercitive le nombre de véhicules particuliers sur nos routes, agissant ainsi un tant soit peu sur la pollution et surtout sur la fluidité du trafic de l'agglomération. Ceci dit, il ne faudrait pas, je dirais, refaire le coup du nuage de Tchernobyl, en pensant ou en laissant croire surtout que notre territoire ne subira pas les effets de la pollution voisine, car il faut bien rappeler un fait, en ces temps de pic de pollution, l'anticyclone est sur la France. Quand on regarde les cartes ce matin, on voit bien que même si nous sommes une cuvette, nous sommes aussi rouges que les plaines du Nord, que je connais particulièrement bien, et où il n'y a pas de montagne, je peux vous l'assurer. Hein, et les niveaux de pic de pollution sont aussi élevés. Donc il y a un problème qui va au-delà, je dirais, de la configuration géographique de notre métropole. Il n'empêche que nous devons effectivement en tirer toutes les conséquences. Et à ce titre, d'ailleurs, nous nous félicitons que le territoire d'application de cette charte soit aussi élargi qu'il l'est, puisque effectivement, agir sur un seul bassin de vie n'aurait quasiment aucun effet sur les particules fines qui se déplacent dans l'air. D'autant plus, nous savons que ce type de pollution n'a pas pour cause principale le trafic routier, mais bien le chauffage au bois. La métro, en ce sens, d'ailleurs, agit aussi, et nous y avons aussi donné notre accord. Cependant, lorsqu'on demande aux communes d'entrée d'agglomération d'accueillir des parkings pour les véhicules les plus polluants, quel est l'objectif? Est-ce de protéger uniquement la ville-centre de la pollution de proximité? Car effectivement, sur nos communes, détourner une partie du trafic pour le faire s'arrêter, par exemple sur un parking en plein centre d'une commune que je connais particulièrement bien, me semble quand même aller à l'inverse de l'intérêt des habitants de cette commune, traversée par un tram d'excellente qualité, et qui se retrouverait à devoir supporter sur au moins la moitié de son territoire un détournement de trafic de véhicules polluants. Donc là, il y a quand même des questions à se poser, mais qui ne sont pas que des questions qui peuvent être réglées par la métropole elle-même, et c'est aussi pour ça que nous félicitons de la dimension du territoire que prend cette charte, parce que la question se pose de savoir s'il ne faudrait pas effectivement, avec nos partenaires, peut-être dans un second temps, trouver des lieux de parking à l'entrée de nos territoires ou aux confluences de nos territoires.
Et cela, c'est quelque chose que le groupe d'Enisque souhaiterait voir étudier assez rapidement dans le cadre de cette charte ou de l'application de cette charte. Nous voudrions aussi attirer l'attention sur la communication qu'il conviendra de mettre en place, car ça n'est pas une critique en soi, mais c'est plutôt un constat. L'avant-première, le test en avant-première des vignettes critères, sans information détaillée, pédagogique, préalable, a causé des interprétations soit alarmistes, soit fantaisistes, et qui ont pu influer négativement sur l'acceptabilité de la mesure. Certains se posent encore un certain nombre de questions. Il n'est pas ici question de relancer le débat sur l'intérêt de la mesure, mais plutôt de s'interroger sur les conditions de son lancement pour en tirer les leçons pour de prochaines décisions, et à commencer par cette charte sur le covoiturage. Pour être comprises et acceptées, de telles mesures doivent être annoncées clairement, de façon nuancée et crédible, et en prenant en amont, et bien en amont, à leur application, des mesures pédagogiques nécessaires. Ne donnons pas aussi, par ailleurs, une image négative et coercitive de notre métropole, alors que celle-ci a besoin d'attirer du tourisme et des investisseurs, sans parler du fait que notre territoire est un lieu de passage pour les stations voisines. En ce début de vacances de fin d'année, il est peut-être bon aussi de s'y arrêter un instant. Nous vous proposons en tout cas, alors on n'est pas dans le cadre de la charte, c'est vrai Président, je déborde un peu du cadre de la délibération, lors d'une prochaine, je suppose qu'on aura quelques études, effectivement, sur l'application de critères et son acceptabilité dans les semaines à venir, nous souhaitons vous proposer d'exclure du dispositif, dans l'attente d'une généralisation nationale de ce type de mesures, mais visiblement, les pics de pollution actuels font que ça s'accélère très fort, nous proposerons donc d'exclure du dispositif les véhicules portant une immatriculation étrangère, dans un premier temps. C'est une suggestion que nous faisons, qui n'a rien à voir avec cette délibération, mais nous souhaitions quand même, dès à présent, le porter à votre attention, et peut-être à la discussion de prochaines commissions. Voilà, donc, en bref, oui au covoiturage, mais au covoiturage bien compris et bien expliqué. Merci. Merci beaucoup. La parole est à Jérôme Dutroncy. Oui, merci Monsieur le Président. Bonjour à tous, à toutes. Je voudrais dire d'abord que je félicite effectivement, moi aussi, comme le vice-président Mongaburu, le travail de dialogue territorial qui est celui que mène le SCOT et qui a mené effectivement son président de commission, Luc Raymond, sur la question des transports. C'est évident que nous avons à travailler sur l'ensemble du bassin de vie, sur une approche systémique des choses. Les mobilités à l'avenir et dès aujourd'hui doivent évoluer par effectivement plus de partage des énergies renouvelables, des modes de déplacement aussi qui sont multiples et qui doivent être complémentaires les uns avec les autres. Il n'est pas ici évoqué, bien sûr, de supprimer tel ou tel mode de déplacement, mais bien de trouver une manière plus intelligente de l'utilisation de ces modes de déplacement pour arriver effectivement à un environnement préservé et une métropole apaisée. Et sur ce point, il me semble aussi quand même important de rappeler, la question a été posée par M. Mermillot-Blondin, il est avéré que moins de véhicules polluants dans une agglomération, c'est moins de pollution. C'est avéré. C'est avéré aussi que des véhicules qui roulent moins vite produisent moins de particules, par notamment le frottement de leur pneus sur le bitume. C'est aussi avéré que le régime moteur peut avoir un impact sur la quantité de polluants émis. Mais c'est surtout la question de
du comportement des conducteurs qui a un impact, encore une fois, sur la qualité de vie des habitants, et notamment en milieu urbain. Et j'ajoute, et c'est là le point que je voulais ajouter au débat, c'est que le ticket vert, même si sur l'air en tant que tel, il n'est qu'indirect, puisque lié effectivement au trafic, il a un impact, par contre, beaucoup plus important sur les nuisances sonores, qui, elles, sont très, très significativement réduites quand les véhicules roulent moins vite et quand la fluidité du trafic est meilleure. Et la métropole apaisée apporte ça et apportera effectivement des résultats très intéressants sur la question du bruit, qui, on en parle souvent beaucoup moins que la qualité de l'air, est aussi un enjeu de santé publique important sur les grandes agglomérations et sur notre agglomération tout autant. Voilà, je voulais ajouter ce point. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur la question des bruits environnementaux dans cet hémicycle. La métropole apaisée y contribue très, très significativement. La parole est à Madame Mireille Dornano. Merci, Monsieur le Président. Cette délibération commence bien et je souscris entièrement à l'idée que le sujet dépasse largement la stricte métropole, car il demande de satisfaire l'ensemble des populations qui transitent ou viennent de Grenoble. La charte traite la question des parkings relais, du covoiturage et de l'autostop, en espérant atténuer la congestion des entrées de la métropole. Il faut rappeler que rien n'a été fait pour fluidifier le trafic depuis les années 70. Au contraire, les exécutifs locaux n'ont fait que limiter la circulation par divers moyens, alors même que le nombre de véhicules augmentait. L'augmentation de la congestion est le résultat d'une mauvaise politique des transports. Par exemple, les bretelles de sortie et d'entrée des autoroutes comme l'A41 n'ont jamais été terminées. Au contraire, les sorties donnent sur des voies diminuées par une série d'obstacles. Je ne vous parle même pas du serpent de mer que représente le percement d'une voie sous la Bastille et qui est pourtant, je pense, nécessaire. Il est facile de caricaturer mes propos en disant que le tout auto est une vision dépassée des années 70. J'insiste sur le fait qu'il faut penser service public, c'est-à-dire être au service du public, et non pour se complaire dans l'illusion d'une métropole isolée, refermée sur elle-même. Le monde bouge et le besoin de mobilité ne cesse d'augmenter avec l'accroissement de la population d'une part et d'autre part le rejet en périphérie des centres d'emploi. Parlons des parkings relais. Les parkings relais sont une bonne solution pour diminuer le trafic métropolitain, plus de 300 000 véhicules par jour. Cela fait longtemps que je défends leur construction en pointant leur quasi-inexistence. Ils ne seront utiles que s'ils sont facilement accessibles et de taille suffisante. L'objectif doit être à la hauteur des besoins, à savoir au moins 30 000 places gratuites et gardées. Dans ce domaine, c'est l'offre qui crée la demande, mais encore faut-il savoir se mettre à la place des autres. Le stationnement à étage en ville ne doit pas être négligé non plus. Une bonne partie du trafic est due à son absence, les autos encombrant la voie publique. Dans ce sens, la diminution importante des capacités de stationnement de la gare de Grenoble va à l'encontre de toutes les idées développées dans cette charte. Quelqu'un qui ne peut pas laisser sa voiture pour prendre le train devra prendre le taxi aller et retour, lequel s'additionne au prix du billet. En effet, la gare n'est pas faite seulement pour les habitants du centre de Grenoble. Au bout du compte, beaucoup choisissent l'automobile pour aller à Lyon, par exemple. Le covoiturage. Les notions développées sont floues. Il semble, d'après l'annexe, que le simple fait d'amener ses enfants à l'école soit du covoiturage. Ce n'est pas le sens commun du terme. Le covoiturage n'est qu'une petite solution et ne dépassera pas la sphère des relations personnelles. On covoiture avec ses collègues de travail ou avec ses voisins. Sinon, c'est l'ubérisation de la métro et je n'y crois pas du tout. L'autostop. Vous proposez l'autostop. Je cite.
pour répondre à la demande de mobilité aux heures creuses pour les salariés en horaires décalés. Franchement, j'aimerais bien savoir si ceux qui ont pondu ce texte ont fait du stop une fois dans leur vie. Aux heures creuses, personne ne vous prend. En horaires décalés, c'est-à-dire la nuit ou très tôt le matin, personne ne s'arrêtera. D'autre part, je plains l'employé qui, suivant vos conseils, compte sur l'autostop pour arriver à l'heure à son travail. Il sera rapidement à Pôle emploi. Vous passez à côté du sujet aussi de la criminalité. L'autostop était praticable en France dans les années 60. Très vite, dès les années 70, la hausse des attaques d'automobilistes a mis un coup d'arrêt à cette pratique. Avec le taux de délinquance actuel qui prendra le risque de rendre ce service. Vous vivez vraiment dans un autre monde. La charte n'évoque même pas ce problème qui pourtant tue cette solution dans l'œuf. Jusque-là, ce projet n'est qu'une profession de foi, une lettre de bonnes intentions sans décision concrète. Nous souhaitons que la raison prenne le dessus sur l'idéologie et avons confiance dans le futur. En conséquence, malgré les réserves précédemment énoncées, nous voterons tout de même pour ce projet. Ah, voyez, je vous remercie. Bien, je vois que vous-même, parfois, vous riez et vous souriez à vos propres propos, Madame Dornan. Bien. Moi, je vous invite, dans plusieurs communes, nous voyons du stop s'organiser fortement. Allez dans un certain nombre de communes rurales de notre agglomération et vous verrez des autostoppeurs. Essayez, Madame Dornano, essayez. Tu veux parler ? La parole est à Laurent Tauviste. Non, je ne peux, Monsieur le Président, m'empêcher de réagir aux propos de Madame Dornano pour lui rappeler que je ne sais pas si elle s'est arrêtée à l'affaire du stop dans les années 60. Moi, j'en ai fait beaucoup dans les années 80-90, très régulièrement. C'était pas toujours facile. Il arrivait qu'on attende un peu, mais voilà. Et simplement pour dire que il y a une expérience. Je pense que peut-être Yann Mangabourou pourra en parler, mais en tout cas, ça se pratique sur des aires d'autostop. Je crois que c'est dans la vallée de la Maurienne. Voilà, qui est expérimenté, je crois, depuis un an et demi, et qui donne de bons résultats. Donc, il s'agit bien évidemment d'avoir des aires qui permettent justement de tranquilliser les conducteurs et de faire en sorte que dans des zones où on ne peut pas forcément installer du transport collectif, ce mode de déplacement puisse se mettre en œuvre. Et apparemment, ça d'après ce que j'avais lu, ça fonctionne assez bien en Maurienne, mais Yann aura peut-être des éléments plus précis là-dessus. Merci beaucoup. La parole est à Jérôme Dutroncy. Oui, je ne serai pas long. Juste une information supplémentaire sur la question effectivement de l'autostop. Ou l'autostop organisé, c'est un élément que nous allons travailler, notamment avec le parc naturel régional du Vercors, puisque nous sommes depuis une semaine lauréats de l'appel à projet TEPCV, le deuxième volet de TEPCV, et nous avons monté ce dossier avec le parc en bonne intelligence et en collaboration avec les élus et les services donc du parc naturel régional. Et cela a abouti effectivement à un certain nombre d'actions dont on vous parlera bientôt, mais dont certaines sur les mobilités et ces mobilités partagées en particulier. Merci, la parole est au vice-président Yann Mangabourou. À ceux qui auraient peur d'une métropole qui se refermerait sur elle-même, nous avons fait le choix de plutôt travailler de manière partenariale au-delà de notre territoire administratif avec tous les territoires voisins et de s'inspirer de ce qui se fait de meilleur ailleurs pour l'appliquer au bénéfice des métropolitains. Ça a été dit sur l'autostop, mais je ne voudrais pas que Mireille Donano fasse peur aux autostoppeurs potentiels. La vallée de la Maurienne le fait par le biais de son agence mobilité.
Paris et la région Île-de-France l'organisent, même avec la majorité actuelle de la région Île-de-France. La métropole de Toulouse le fait depuis plusieurs années et nous avons choisi de nous appuyer sur ce qui fonctionne ailleurs pour le déployer ici. C'est la raison pour laquelle c'est à travers l'association Réseau Pouce que nous nous appuyons avec les partenaires voisins et le département de l'Isère pour déployer une politique d'autostop organisée dans notre territoire. Quand nous envisageons des études et des simulations sur les voies dédiées, c'est parce que nous nous inspirons de ce qui se fait en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie, aux États-Unis depuis 30 ans et au Maroc depuis 5 ans. Quand nous envisageons la réglementation environnementale des véhicules, nous appliquons là ce qui se fait partout ailleurs en Europe, la France ayant tant tardé depuis 40 ans pour différencier la responsabilité du diesel dans l'aspect sanitaire. Nous avons aujourd'hui, à travers cette charte, des intentions qui sont posées avec des partenaires pour dépliquer ici ce qui se fait de mieux ailleurs. Nous avons aussi aujourd'hui une métropole qui fait bouger les lignes à l'échelle nationale, et je veux le dire notamment à travers la démarche métropole apaisée. La démarche métropole apaisée qui vient d'être reconnue par le Conseil des ministres de novembre en généralisant les zones à circulation apaisée dans le code de la route pour permettre aux maires partout en France de déployer ce qu'il fonctionne dans notre territoire. Ça a été dit, la traumatologie est avérée suivant la vitesse de circulation des véhicules, mais au-delà de la traumatologie, apaiser le partage de l'espace public, c'est permettre au mode doux, à ceux qui sont plus vulnérables, en premier lieu les piétons et les cycles, de pouvoir mieux circuler, de pouvoir participer à la fluidité et de permettre le report modal. Je suis sensible évidemment à ce qui a été indiqué sur la question de la concentration de polluants par rapport au pic que nous connaissons actuellement. Redire que nous sommes dans une démarche justement de progressivité. De progressivité au moment où Paris applique la circulation alternée, au moment où Lyon et Villeurbanne, pour la première fois, ont appliqué la circulation alternée, nous avons fait le choix d'un dispositif qui demande aux véhicules les plus émetteurs de polluants de ne pas circuler, plutôt que de demander à 50% des véhicules de rester au garage. Dire que la population, et au-delà des communes qui ont répondu et qui se sont mobilisées, la population a répondu présente. Le premier week-end, nous avons eu plus 7% d'augmentation de fréquentation des transports en commun, plus 16% d'augmentation de l'usage du vélo, moins 5% de trafic routier. Ça ne nous a peut-être pas permis de sortir du pic, mais ça nous a évité de vivre une augmentation des concentrations comme l'ont vécu tous les territoires autour de nous. Nous avons effectivement un pic qui est exceptionnel par sa persistance, mais qui dans la concentration de polluants reste mesuré comparativement à ce qui se passe dans la vallée de l'Arve, à Lyon ou à Paris. Hier, le préfet du Rhône indiquait rendre obligatoires les certificats qualité de l'air à compter de janvier 2017 dans la métropole sœur qui est la nôtre. La semaine dernière, la ville de Paris demandait la mise en œuvre de modérations de circulation en fonction des certificats qualité de l'air à compter de 2017 plutôt que la circulation alternée. Le Conseil des ministres extraordinaire de samedi dernier a demandé à tous les préfets partout en France d'envisager dès 2017 la mise en œuvre de modérations de circulation en fonction des certificats qualité de l'air pour remplacer la circulation alternée dans notre territoire. Aujourd'hui, en Savoie, chez nos collègues, c'est bien sur la base des certificats qualité de l'air que le préfet demande la modération de circulation concernant les poids lourds. Nous avons eu un temps d'avance. Aujourd'hui, nous faisons émule. Il faudra y aller progressivement et c'est la démarche sur laquelle nous nous sommes engagés. 220 000 courriers ont été adressés aux métropolitains après la signature du protocole avec l'ensemble des partenaires. Nous avons indiqué avec le préfet que les premiers contrôles étaient
pédagogique et sans verbalisation, c'est ce qui se passe depuis 10 jours dans notre agglomération. Malgré l'absence de verbalisation, nos concitoyens ont répondu présents au défi et je veux ici les remercier. Nous aurons d'autres mesures à prendre, complémentaires, et il nous faudra ensemble continuer à améliorer les services de mobilité à disposition, dont le covoiturage et l'autostop organisé font partie, pour aider chacun à trouver la solution de mobilité en situation critique et en situation permanente qui permettent de faire réduire la pollution sensiblement dans notre agglomération avec un objectif que nous avons délibéré en septembre dans la délibération Métropole Respirable, somme toute assez mesurée, respecter d'ici 2020 la réglementation européenne pour la santé de nos populations. Merci, la parole est à Jean-Damien Mermillot-Blondin et je vous propose qu'on accélère la fin de ce débat pour passer ensuite à la suite. Jean-Damien Mermillot-Blondin. Oui, quelques éléments, Monsieur le Président. En avance, j'entendais il y a quelques instants, il est vrai que sur les certificats de qualité de l'air, effectivement, il y a de l'avance. Ne pas le dire serait dire quelque chose d'inexact. Mais on n'avance pas sur tout. Et je pense, on a eu un débat à peu près semblable hier au SMTC, mais néanmoins, on est à la métropole, donc je suis bien obligé de le répéter. Par exemple, sur le covoiturage, nous ne sommes pas en avance, mais on ne peut pas aller sur tout, hein, ce n'est pas un reproche en tant que tel. Mais par exemple, dans les partenaires pressentis, mais je crois que Yann Mangaburu nous a donné une nouvelle intéressante hier, je ne voyais pas la métropole de Lyon. Et il me semble qu'apparemment, il y a en tout cas l'organisation des transports de cette zone territoriale qui a pris attache avec le SMTC, si j'ai bien compris ce qui m'a été dit hier. Donc c'est plutôt bien d'associer le Grand Lyon à cela. D'autant que eux ont déjà un site internet de covoiturage. Et ils traitent même, ils proposent des trajets, donc ils proposent le covoiturage, même sur des trajets qui sont intra-métropolitains, dans la métropole de Grenoble. Donc là-dessus, je pense qu'il y a un travail partenarial à mettre en œuvre à ce sujet-là, et faire attention également au fait qu'il y a des sociétés privées, c'est pas un gros mot, il y a des sociétés privées qui sont organisatrices de covoiturage organisé. Je ne vais pas vous faire du blabla ici, je vais dire que je ferai court. Néanmoins, nous comprenons, il y a même des start-up en la matière. Je pense qu'il faut arriver aussi à faire attention, à pouvoir faire exister tout le monde sur ce secteur qui est existant. Voilà les quelques mots que je voulais dire au sujet de la délibération. Merci beaucoup. Moi, je me félicite qu'effectivement, nous puissions avoir des convergences sur un certain nombre de sujets. Il faut effectivement ne pas mollir et savoir expérimenter ici sur ce territoire pour trouver des solutions. Nous le voyons d'ailleurs que nous pouvons, et c'est vrai, c'est pas vrai sur tout, mais c'est comme ça et c'est la vie. L'important, c'est que nous soyons en capacité de, je dirais, de regarder ce qui se fait de bien aussi ailleurs. Et le vice-président l'a dit, pour que nous puissions effectivement les poser dans ce territoire de façon intelligente. Je reviens à la proposition qui est faite par Catherine Kamowski tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, il faudra organiser, dans les semaines qui viennent, ne serait-ce que des éléments un peu de débriefing, un peu sur ce que nous vivons, pour essayer de les partager, de réfléchir ensemble et de porter des améliorations, évidemment, puisque de fait, nous sommes dans de l'expérimentation permanente. Et c'est pour ça que moi, je voudrais aussi qu'un pic de pollution, il n'y a jamais. Un pic de pollution n'est jamais le même. N'est jamais le même. Il est lié à tellement de conditions à la fois qui sont liées aux émissions elles-mêmes, mais qui sont aussi liées aux conditions météorologiques, climatiques, etc. Et ça, c'est la particularité. Et il faut avoir, je dirais, un peu ce recul et cette humilité par rapport aux choses, de s'apercevoir que peut-être il y a des choses qui peuvent plus ou moins bien fonctionner à un moment donné, moins bien à un autre moment, et c'est ainsi, parce que nous sommes, encore une fois, c'est pas une science exacte, loin s'en faut, et avec une complexité encore plus forte dans nos territoires. Parce que même si Catherine Kamowski a raison de dire que nous sommes dans un système anticyclonique global aujourd'hui, et avec des épisodes de pollution, je dirais, de façon extrêmement large sur le territoire national, nous avons des spécificités de vallées alpines.
nous avons des spécificités de vallées alpines qui sont tout simplement liées à notre histoire, je dirais, climatique, et qui fait que des conditions d'inversion de température particulière génèrent voilà, des systèmes particuliers. Donc sachons encore une fois poser les choses en fonction de ce que nous vivons et les regarder. C'est pour ça que, bien sûr, qu'à la proposition, à la demande de Catherine Kamowski, de pouvoir le poser et le travailler, nous pourrons le faire par la suite. Du coup, je mets aux voix cette délibération qui s'oppose, qui s'abstient, unanimité, merci. Non ? Ah bon, d'accord, je croyais que vous la votiez, donc c'est pour ça. Donc de l'abstention, alors, du groupe Métropole d'Avenir. Abstention uniquement du Métropole d'Avenir, hein ? Très bien. Je vous propose de passer donc à l'espace public et la voirie avec Ludovic Bustos, son vice-président, avec deux points non mis au débat, sauf demande expresse de votre part, la redevance d'occupation provisoire du domaine public concernant les réseaux de distribution d'électricité. Est-ce que ça appelle des observations? Non. Je mets aux voix qui s'oppose, qui s'abstient, unanimité. La voirie déneigement des communes de Champs-sur-Drac, Montchaboul, Notre-Dame-de-Mézages, Saint-Barthélemy de Séchilienne, la fixation des tarifs pour l'année 2017. Si cette délibération pouvait nous annoncer la neige et la faire venir, ça serait bien. Donc, pas d'observation. Je mets aux voix qui s'opposent, qui s'abstient, unanimité. La création de la voie de rabattement de restructuration de l'avenue d'Argenson à Vif a été retirée. Et je vous propose donc que la délibération concernant le transfert des compétences entre le département de l'Isère et la métropole, avec quelques éléments que je vais vous présenter. Vous avez la délibération, elle est complète. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible. La loi NOTRe prévoit un certain nombre de transferts de compétences exercés par les départements en direction des métropoles. Donc... elle permettra ainsi de donner à chaque métropole un visage propre, puisque la loi métropole MAPTAM a donné à toutes les métropoles, je dirais, des compétences identiques sur le territoire national, la loi NOTRe, par le dialogue et par le choix dans 9 compétences du département, va donner... tout simplement des visages différents à chacune des métropoles en fonction des choix qui seront faits par chacune des métropoles. Nous avons donc le principe posé de dialogue entre la métropole et le département de l'Isère. Des élus ont été désignés pour siéger à la commission locale, commission régionale de transfert de charges, du côté départemental comme du côté métropolitain. Ces élus étaient réunis sous la présidence de Madame la présidente de la Chambre régionale des comptes, Madame de Kersauzon, à Lyon, pour à la fois poser les éléments du transfert et les évaluer financièrement. Sur la base d'un certain nombre, je dirais, de critères qui ont été posés par la loi précis, à la fois notamment sur le fonctionnement en regard sur les 3 années précédentes et sur l'investissement sur les 7 années précédentes. Les discussions ont eu lieu et ont posé ainsi le transfert des routes départementales, qui est un point socle, et il s'agit donc de transférer 442 km de routes départementales au sein du périmètre de la métropole, constituant ainsi un réseau structurant pour le maillage du territoire métropolitain, en articulation avec le réseau routier et autoroutier national. Il assure principalement des liaisons intercommunales, mais aussi l'interconnexion avec les territoires voisins et les accès au massif. Ce transfert donc a été évalué financièrement suivant les règles que j'ai posées tout à l'heure, et a ainsi permis également d'envisager le transfert de près de 44 équivalents temps plein, du transfert des dépendances du domaine public routier, de 4 centres d'entretien routier situés à Saint-Égrève, Échirolles-Comboire, La Tronche, Visil et un point d'appui situé sur la commune de Vif. L'évaluation des ressources et charges compensées s'élève à 12 497 935 euros.
Il y a un dispositif de coopération a été mis en place justement et qui feront l'objet de pour une mise en œuvre transitoire suivant des modalités qui seront présentées dans une convention spécifique. Le département transférerait également les 47 km de véloroute qu'il gère sur le périmètre de la métropole de manière à lui permettre de renforcer la cohérence de ses interventions pour les modes actifs. Voilà pour la question des routes départementales. Deux compétences sociales ont été transférées. Le fonds d'aide aux jeunes en difficulté, appelé le FAGE, et les actions de prévention spécialisées, qui complètent les actions de la métropole auprès des jeunes et dans le champ de la politique de la ville. Également, la métropole et le département ont souhaité clairement renforcer les synergies et les partenariats dans l'insertion, sans pour autant procéder à un transfert au titre de la loi NOTRe. Le fonds d'aide aux jeunes, le FAGE, est un dispositif destiné à aider tout jeune de 18 à 25 ans en difficulté dans son parcours d'insertion et dans le cadre d'un accompagnement assuré par un professionnel. Ces fonds peuvent prendre la forme d'aides financières individuelles ou de financement de mesures d'accompagnement au travers d'actions collectives. Ce sont en moyenne 500 jeunes à l'échelle de la métropole qui sont aidés par le FAGE par l'intermédiaire d'actions confiées aux associations mais aussi aux missions locales. L'exercice de la compétence est assuré aujourd'hui, a été estimé être assuré par un demi-équivalent temps plein. Et le montant des ressources transférées s'élève à 317 152 euros. La prévention spécialisée est une politique qui vient renforcer, qui renforcera notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, là où un certain nombre d'enfants et d'adolescents sont confrontés à des risques de marginalisation par le biais d'accompagnements individuels et collectifs dans leur démarche, encore une fois, d'insertion sociale et professionnelle, et ou professionnelle. L'exercice de cette compétence sur notre territoire est confié par convention à des associations comme l'APAS, le CODAS, l'animation de prévention de Saint-Martin-d'Hères. La métropole se substituera donc au département dans ses conventions à la date du transfert et s'accompagnera également d'un transfert de personnel d'un équivalent temps plein. Et l'évaluation des ressources est estimée aujourd'hui à 4 226 070 euros. Pour ce qui concerne l'insertion, nous y reviendrons tout à l'heure dans le cadre du pacte territorial d'insertion pour les années 2017-2021. Le but étant, encore une fois, au travers de cette discussion sur les transferts de compétences nôtres, de pouvoir aussi nous interroger sur une meilleure articulation, renforcement de nos politiques publiques entre la métropole et le département. Troisième transfert de compétences dans le champ du tourisme, du sport et de la culture. Ce groupe de compétences, à la différence des autres, peut faire l'objet d'un transfert partiel à la carte, ce que l'on appelle dans le jargon technique de sécabilité, sur ce groupe de compétences-là, en fonction de l'accord évidemment des deux collectivités qui seraient ainsi trouvées. Sur le tourisme, nous avons le transfert, en fait, l'article du Code du tourisme prévoit que le conseil départemental établit en tant que de besoin un schéma d'aménagement touristique départemental et met en œuvre ensuite la politique touristique du département. Il est donc proposé que le département transfère à la métropole l'élaboration du schéma du tourisme sur son territoire propre et la part des ressources qui ont été dédiées à la préparation et à la mise en œuvre de ce schéma. Nous avons déjà mis en œuvre, nous, un schéma touristique métropolitain. Nous renforçons effectivement, je dirais, ce que nous avons déjà posé. Cette coopération fait l'objet d'une délibération présentée à l'ordre du jour du présent Conseil métropolitain et nous renforcerions ainsi, par convention, là aussi, nos coopérations, nos collaborations sur les grands axes de promotion, de commercialisation et de développement touristique, et ainsi que la coordination des outils type Office de tourisme métropolitain et Isère Tourisme pour le département de l'Isère.
Le département de l'Isère a également ce que l'on appelle des itinéraires de promenade et de randonnée sur le périmètre de la métropole. Nous en avons déjà beaucoup qui proviennent notamment de ce qu'il y avait dans les intercommunalités, l'ensemble des intercommunalités, mais aussi de ce que était l'outil CIPAVAG. Et nous avons un certain nombre, je dirais, de chemins de promenade et de randonnée. Les itinéraires départementaux inscrits à ce plan peuvent emprunter, encore une fois, je dirais, des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé, du département, des chemins ruraux. Et ainsi, sur le territoire de la métropole, ce que l'on appelle le PDIPR existant représente 723 km de sentiers conventionnés, dont 169 gérés par le parc naturel de Chartreuse et 69 km par celui du Vercors. Là, encore une fois, il y avait déjà un travail historique sur ces sujets-là entre le département et la métropole, avec directement une gestion métropolitaine qui était exercée. Et nous avons donc ainsi, là aussi, une coordination beaucoup plus forte et un renforcement des objets qui étaient déjà métropolitains et qui permettent d'assurer tout simplement cette cohérence. L'évaluation des ressources est estimée à 234 672 euros pour cet ensemble. Sur la culture, nous avons délibéré le 3 novembre dernier sur l'intérêt métropolitain en matière de culture. La loi NOTRe, et ici le travail qui a été fait avec le département de l'Isère, permet encore une fois, là aussi, de renforcer l'édifice métropolitain qui est ainsi construit, et c'est le but qui a été recherché en permanence par la métropole grenobloise pour, encore une fois, renforcer les champs qui sont les siens. La loi NOTRe donc prévoit la possibilité de transférer tout ou partie de la compétence culture du département. Le département ayant souhaité, et d'ailleurs la métropole a souhaité que le département reste acteur sur le territoire métropolitain, car encore une fois, son rôle est aussi essentiel dans les politiques métropolitaines. Mais nous avons voulu, opérer un transfert partiel de la compétence culture, notamment au spectacle vivant opéré par la MC2 sur le territoire de la métropole. Le département conserverait une intervention au sein de la MC2 au titre des publics isérois hors métropole et des actions de diffusion hors les murs également et des aides aux collégiens dans le cadre de la compétence exercée par le département au titre des collèges. Et la métropole se verrait ainsi transférer les autres champs de soutien du département pour renforcer son champ d'intervention au sein de la MC2 en cohérence avec les transferts que nous avons déjà envisagés et posés à l'occasion du 3 novembre dernier. L'évaluation des charges ainsi transférées s'élève à 765 000 euros. Parallèlement, cette évolution implique une modification des statuts de l'EPCC-MC2 pour transférer à la métropole deux des trois sièges qui était occupé par le département, et désormais le département de l'Isère aura un siège au conseil d'administration de la MC2. Donc le travail a été ainsi posé. D'autres projets sont en cours, je l'avais dit au moment de l'intérêt métropolitain en matière de culture, sur notamment les champs de la lecture publique, compétence qui est aussi, occupé par le département pour renforcer. L'idée étant d'ailleurs sur ce champ-là, et je l'avais dit lors du conseil du 3 novembre, c'est d'arriver à un pacte, c'est le mot que j'avais utilisé, des financeurs autour de la métropole avec l'État, le département et la région pour justement renforcer et donner du sens à la dynamique culturelle métropolitaine. Voilà pour ces éléments. Tout ceci est enfermé dans une convention de transfert de compétences. Tout ceci a été vu à l'occasion de nombreuses commissions de transfert de charges sous la présidence de Madame la présidente de la Chambre régionale des comptes, dont je voudrais ici saluer le travail qui a été mené, extrêmement fin. Je voudrais d'ailleurs saluer le travail qui a été mené en bonne intelligence avec le département de l'Isère. Nous avons eu des moments rugueux, mais ça fait partie de la vie.
la rugosité est toujours intéressante et permet aujourd'hui d'arriver à, je dirais, un accord de transfert de compétences dont le but est encore une fois pour la métropole. Je voudrais le préciser ici. Le but de la métropole de Grenoble est de ne pas devenir un sumo, je l'avais déjà exprimé, ou qui prend des compétences tous azimuts. Ce que nous devons faire dans cet esprit, c'est encore une fois rendre les choses plus lisibles encore, plus simples demain pour l'organisation territoriale. Mais la loi NOTRe, même si le département a perdu sa clause de compétence, même si la région a perdu sa clause de compétence, la commune gardant sa clause de compétence, ne nous empêchera absolument pas, je dirais, d'aller vers, continuer vers des financements croisés, vers des enjeux qui soient croisés. Je crois que c'est cela qu'il faut poser. Nous avons tout simplement renforcé le socle avec les compétences qui sont posées aujourd'hui pour le transfert. Voilà. La parole est à Jean-Damien Mermignot-Blondin. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'en effet, des échanges et des renseignements qu'on a pu prendre à la métropole et au département, il faut souligner le travail des services et du département et de la métropole qui ont accompli un très gros travail pour arriver à ce qui nous est présenté aujourd'hui. Cette fameuse loi NOTRe qui devait, si je me souviens bien, faire entrer les collectivités dans le 21e siècle, a démontré, je crois que nous serons d'accord là-dessus, qu'elle était sujette à beaucoup d'interprétations, à beaucoup de flou, et qu'elle a mobilisé et les services départementaux et métropolitains pour arriver à trouver une ligne dans le cadre de cette LERT, c'est à trouver une ligne qui satisfasse tout le monde. Sur le transfert du tourisme, du sport et de la culture, c'est avec grand intérêt que nous regarderons maintenant comment ces deux acteurs essentiels du tourisme, que seront maintenant non seulement le département, mais également la métropole, vont pouvoir faire en sorte de faire rayonner notre territoire, celui pour lequel nous ne sommes pas toujours d'accord mais que nous aimons tous, pour faire en sorte qu'il puisse être porté vers le haut, notamment dans un cadre de marketing dont nous parlerons dans quelques minutes. Sur la gestion des routes, ce transfert, les routes classées dans le domaine public du département, ce transfert étant obligatoire, sauf erreur de ma part, il n'en demeure pas moins qu'il y aura un point de vigilance. Et c'est presque au vice-président finances que je m'adresse, pas qu'à lui bien sûr, c'est que dans le cadre de la CLERT, sauf erreur de ma part, une somme pour le GER des routes départementales est affectée, a été discutée, négociée et acceptée. Il conviendra que cette somme reste pour les routes départementales, pour toutes les routes départementales et pour rien que les routes départementales. Et puisque Ludovic Bustos me regarde, je lui transmets également le message pour éviter que cet argent qui doit être affecté aux routes départementales ne soit affecté au financement d'autres politiques. Il y a, je crois, en matière d'investissement, des possibilités que le législateur maintenant nous donne pour tracer des lignes dans notre budget, sans déroger pour autant au principe de généralité budgétaire. C'est un assouplissement que le législateur permet et il me semble qu'il faudra être vigilant sur ce sujet. Un dernier mot pour ne pas alourdir les débats. Sur le fonds d'aide aux jeunes en difficulté et la prévention spécialisée, et poursuivre les débats qui sont au département, il me semble que des membres de la majorité métropolitaine qui sont dans la minorité départementale ont pu, ça et là, critiquer la politique du département et ses nouvelles orientations. Eh bien, ce sera la preuve et la possibilité pour la métropole qu'elle sait faire aussi bien, sinon mieux, et si c'est le cas, je serai le premier à m'en féliciter. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est au Président Guillaume Lissy. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, quelques mots rapides pour effectivement souligner que hier, en séance publique au Conseil départemental, cette délibération a été adoptée à l'unanimité et a été soulignée sur tous les bancs par le travail qui a permis sa rédaction. Le travail technique, Jean-Damien Mermignot-Blondin vient d'évoquer, mais également le travail politique.
Et effectivement, le lien entre la métropole et le département est un lien qui est primordial, et entre deux collectivités qui ne sont pas des collectivités concurrentes, et même si les couleurs politiques sont différentes, je crois que ce qui est important et ce qui est sorti des débats hier et ce qui doit sortir de ceux d'aujourd'hui, c'est l'importance de travailler au service des Isérois et des habitants de la métropole, au-delà des sensibilités politiques, au-delà des couleurs partisanes. Et je crois que l'accord qui est présenté... il va dans ce sens-là. Alors on pourrait toujours espérer davantage, plus de transferts, moins de transferts. Je crois qu'il est très équilibré ce transfert et ce protocole qu'on nous propose aujourd'hui, parce que la métropole aurait pu souhaiter tout prendre. Et comme l'a dit le président, en évoquant l'allégorie du sumo, la volonté c'est d'être équilibré et de l'être dans le temps. Et quand vous évoquez la question des routes, le département a évoqué ou a souhaité peut-être la possibilité de garder une partie des routes sur des axes stratégiques, notamment en lien avec les stations. Je crois qu'il est important que, puisque la sécabilité n'était pas possible et puisque la volonté de la métropole était de maîtriser l'ensemble de ces axes-là, il est important qu'on puisse travailler en lien avec le département. Parce que, effectivement, sur la question de la traversée de la métropole, sur la question des axes majeurs en termes économiques, en termes touristiques, on ne pourra pas travailler chacun de son côté. Donc, il y a une ligne à conduire, et au-delà du transfert, le fait que les collectivités puissent travailler ensemble demain sera indispensable et nécessaire. J'ai bien noté l'interpellation qui a été faite par Jean-Damien Mamieux-Blondin. J'ai également noté qu'il serait très heureux que nous fassions mieux que le département. Donc je note qu'il est sur la position que la gauche défend au département. Je pense que ses amis là-bas en seront très heureux. En tout cas, on ne peut pas préjuger de ce qui sera fait par telle ou telle collectivité. Ça s'appelle la libre administration des collectivités territoriales. Je crois que le département donne également à la région un certain nombre de compétences. Les exigences envers la région de droite sont, je pense, les mêmes qu'envers la métropole de gauche. Mais ça, encore une fois, c'est une question qui est liée aux politiques. Je ne sais pas de quelle manière ces politiques-là seront exercées. Je ne sais pas délégation, est-ce que ce sera pris en charge, mais en tout cas il est bien certain que politiquement, sur la question de la prévention spécialisée, sur la question du fonds d'aide aux jeunes, sur le pacte territorial pour l'insertion, eh bien nous devrons être présents. Je pense qu'il faudra faire un effort supplémentaire et supérieur à ce que faisait le département, et cela sera d'autant plus permis que le principe de la CLERT a lissé et a pris en compte les dépenses sur plusieurs années, alors qu'effectivement la majorité de droite avait baissé ces dépenses-là ces dernières années. Donc ils ont donné plus que ce qu'ils consacraient à ces politiques. Donc à nous d'en faire bon usage, mais je ne doute pas que politiquement nous en aurons la volonté. Merci. D'autres interventions ? Merci à vous. Je salue évidemment le travail qui a été mené par l'ensemble, par mes collègues à la CLERT, que ce soit Claire Kirkacharian, que ce soit Michel Véré, que ce soit Raphaël Guerrero et moi-même qui siégions à la commission locale, et l'ensemble des services en accompagnement. C'est jamais simple d'évaluer, vous le savez, l'évaluation des transferts de charges généralement déclenche tout de suite un petit geste, je dirais, de contraction de la moelle épinière chez un certain nombre d'élus. Lorsqu'il s'agit des discussions communes métropole, évidemment, mais je remercie en tout cas l'ensemble des collègues d'avoir pu mener cela. Et les services, bien sûr, qui ont beaucoup travaillé. Je mets aux voix. Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? 2. La délibération est donc adoptée. Nous arrivons ensuite aux ressources. En l'absence de la vice-présidente qui est grippée et qui ne voulait absolument pas contaminer l'ensemble, et on la remercie sur ce point-là, notamment les collègues qui sont les plus proches, mais je ne suis pas très loin quand même, hein, donc alors, on voulait juste passer Noël un peu tranquille quand même. Avec un certain nombre de délibérations, dont certaines ne sont pas soumises au débat, je répondrai le mieux possible à l'ensemble des questions, s'il y avait des questions, mais... Par avance, je dirais votre indulgence, mais je sais qu'elle est acquise. Avec la désignation d'un représentant de la métropole au conseil d'administration de Medicalps, il est proposé
de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant suite au renouvellement du conseil d'administration de Medicals. Et il est proposé en candidat titulaire Klaus Tapfast et Fabrice Hugelet en suppléant. Est-ce que ça appelle des observations? Pas d'observation, je mets aux voix qui s'opposent, qui s'abstient. Métropole d'avenir, Front National, adopté. La désignation d'un représentant au sein du Conseil des sports de l'Université Grenoble-Alpes. Et il est proposé la candidature d'Elisabeth Legrand. Est-ce que ça appelle des observations? Non, je mets aux voix qui s'opposent, qui s'abstient. Métropole d'avenir, Front National, adopté. Un représentant de la métropole au comité de programmation du programme LEADER du parc naturel régional de Chartreuse. Il est proposé la candidature de Jean-Luc Poulet. Est-ce que ça appelle des observations? Non. Je mets aux voix qui s'opposent, qui s'abstient. Pas des abstentions de partout. Les élus de Chartreuse, je vois Dominique Escaron, Jean Lovera, vous votez pour? Vous abstenez? Vous abstenez, ok. Très bien, donc abstention totale du groupe Métropole d'Avenir et du Front National. Délibération donc adoptée. Association Les Métropolitains, qui n'est pas mise au débat l'avenant à la Convention 2016, appelle-t-elle des observations? Non. Je mets aux voix, qui s'oppose, qui s'abstient. 2. Adopté. Les mandats spéciaux pour les déplacements d'élus. Des observations? Qui s'oppose, qui s'abstient? Métropole d'avenir, Front National, la transformation de la communauté d'agglomération en métropole, l'ajustement des tableaux des effectifs, les créations de postes liées au transfert complémentaire de personnel des communes membres dans le cadre du transfert de la compétence, de compétences et des modalités de transfert. Pas de débat. Je mets aux voix qui s'oppose, qui s'abstient. Métropole d'avenir, Front National. Adopté. Les mesures dites de transfert prime point fixées par décret du 11 mai 2016, la mise en œuvre et l'application aux agents contractuels. Pas de débat? Je mets aux voix qui s'oppose, qui s'abstient. Métropole d'avenir, Front National? Non. Métropole d'avenir. Adopté. Convention de mise à disposition des services auprès des communes au titre de mission de viabilité hivernale. Pas de débat? Je mets aux voix qui s'oppose, qui s'abstient. Unanimité, l'ajustement du tableau des effectifs, des ajustements dans le cadre des besoins de services et du déroulement de carrière. Pas de débat, je mets aux voix qui s'opposent, qui s'abstient. Opposition? Opposition de Métropole d'Avenir et Front National. Oui, c'est ça. Très bien. Création d'un service commun, gestion du patrimoine arboré entre la métropole et la ville de Grenoble. Pas de débat, je mets aux voix qui s'opposent, qui s'abstient. Abstention du Métropole d'Avenir, Front National, adopté. Pas FN, très bien. L'évolution du dispositif d'astreinte métropolitain. Il s'agit d'un dispositif complémentaire pour le service commun des systèmes d'information. Je mets aux voix qui s'opposent, qui s'abstient. Unanimité, merci à vous. La mise en place de conventions de gestion pour l'année 2017 pour l'entretien des zones d'activité économique et les zones industrielles. Pas d'opposition, d'abstention, l'abstention Métropole d'Avenir. Le dispositif d'emploi temporaire pour la période hivernale de fin d'année pour le service de la collecte des déchets ménagers assimilés de la métropole pour assurer des missions de renfort de service. Est-ce que ça appelle des observations? Non. Je mets aux voix qui s'oppose, qui s'abstient. Métropole d'Avenir. Le plan de résorption de l'emploi précaire en appliquant les dispositions de la loi de 2012, dite loi Sauvadé. Le bilan d'application du précédent plan de résorption de l'emploi précaire et l'adoption du programme pluriannuel de l'accès à l'emploi temporaire lié à la prolongation du dispositif. Pas d'observation? Pas d'observation. Je mets aux voix qui s'oppose, qui s'abstient, le Front National. 2. L'actualisation des dispositifs de prestation d'action sociale en direction de nos agents. Des oppositions? Des abstentions? Pas d'abstention, adoptée à l'unanimité. Merci. Pour les personnels de droit privé, la prévoyance et la complémentaire santé, la fixation des montants de participation et signature des contrats d'adhésion prévoyance, incapacité, invalidité et complémentaire frais de santé pour les salariés de droit privé applicables à partir du 1er janvier 2017, délibération importante pour une partie de nos agents.
Pas d'observation, je mets aux voix qui s'oppose, qui s'abstient. Métropole d'avenir, Front National. Non. Oui. Abstention, d'accord. La désignation des rapporteurs au conseil d'administration de l'office public de, des représentants au conseil d'administration de l'office public de l'habitat Actis. Alors, il est proposé pour les représentants de Grenoble-Alpes-Métropole, Éric Piolle, Swat Grand, Françoise Clotot, Bernard Charvet, Christian Coignet, Catherine Kamowski. Je peux citer également les autres collectivités, l'ensemble des représentants. Représentant les autres collectivités, Brahim Chéra, Marie-Vonne Boileau, Jean-Yves Balestas. Représentant des personnalités qualifiées, M. Jean-François Martin, Mme Catherine Rive, Mme Véronique Glaré, Mme Françoise Trahan, M. Claude Jacquier, M. Serge Gros. Représentants issus d'associations d'insertion, Mme Claire Cour et M. Alain Guézou. Voilà pour ces représentants. Ces désignations finalisent donc le rattachement d'Actis à la métropole grenobloise. Il sera sans aucun doute un atout pour la réussite des objectifs de la métropole en matière d'habitat et plus particulièrement en matière de construction de logements sociaux sur notre territoire. La métropole verra donc son implication s'accentuer dans les mois à venir lors du transfert du contingent de la ville de Grenoble à la métropole tel que cela a été posé. Je tenais aussi à profiter de ce temps de désignation pour vous faire part de la volonté de la métropole de continuer à travailler en toute transparence sur l'attribution des logements. En maintenant au sein de la commission d'attribution d'Actis un membre de l'opposition métropolitaine, Madame Nathalie Béranger, mais je crois que c'est déjà le cas actuellement, donc de façon à assurer et assurer ici de la complète transparence sur ce dispositif ainsi et sur les éléments ainsi posés. Voilà, moi je vous souhaite et je souhaite aux administrateurs représentant désormais la métropole un excellent travail sur un sujet essentiel pour notre métropole aujourd'hui. La parole est à Éric Piolle. Oui, peut-être un petit mot, effectivement, en tant que président sortant d'Actis, pour dire que c'est une étape importante que nous avons franchie en deux fois, en septembre et maintenant, que Actis devienne un acteur de référence pour la métropole. Actis a à la fois des capacités évidemment de construction de logements sociaux, mais également d'aménagement de façon plus large. Ça a été montré encore récemment sur une opération à Saint-Égrève, sur des opérations petites dans des communes petites, sur des opérations de plus d'ampleur dans des villes de taille plus importante, et évidemment avec un parc important sur Grenoble. Tout cela avec des salariés qui sont vraiment dans une approche globale du service aux locataires. Et Actis est connu et reconnu un peu partout, à la fois pour sa capacité d'innovation constructive. Il y a là un bâtiment en bois de 9 étages qui est dans les tuyaux, qui sera un des premiers en France avec les deux tours qui en bois également qui sont en projet à Bordeaux. Un bâtiment terre également qui est dans les tuyaux, donc toujours une amélioration sur la partie développement. Rappelez que ce parc social-là, dans la transition énergétique, joue un rôle important et que la performance énergétique du logement social en général et du parc d'Actis en particulier, pour lequel nous avons rénové déjà plus de 1000 logements ces dernières années à des niveaux BBC Rénovation. Donc dire que dans la transition énergétique, le parc social joue quelque chose d'important et joue également l'amélioration du pouvoir d'achat de ses locataires par la réduction des charges et du total du coût loyer plus charges. Une gestion urbaine de proximité, et cette gestion sociale de proximité, finalement, elle est, je crois, très importante pour pouvoir s'articuler à l'ensemble, à la diversité, finalement,
dépendant des territoires dans lesquels sont construits le logement social. Et puis, dire aussi que cela demande évidemment un engagement fort, comme chez tous les bailleurs sociaux, de la part des administrateurs, parce que c'est du temps pour les commissions d'attribution des logements, hein, qui prennent une demi-journée tous les 15 jours, pour la commission d'appel d'offres, qui en plus de par la loi a été montée à 5 membres obligatoires au printemps dernier, pour les commissions de développement et de projet, qui étudient en permanence le développement de l'offre, les achats, mais également les ventes. Parce que pour développer le logement social depuis la raréfaction, la disparition même quasiment des moyens de l'État direct en une quinzaine d'années, il reste évidemment un soutien de l'État sur des financements indirects, mais cela nécessite un travail vraiment accru, une mobilisation des fonds propres accrus, une intelligence et le montage de projets financiers accrus également. Et puis dire, Président, ce que vous avez dit sur la transparence dans l'attribution des logements sociaux. Actis attribue dans la commission d'attribution des logements avec des dossiers anonymes, fait des expérimentations non seulement de location active, donc où les locataires peuvent finalement être acteurs de leur positionnement, mais également de la cotation, du système de cotation par points, pour essayer d'objectiver un peu tout cela, et dire que cette commission d'attribution des logements, également, lors de mon mandat de président sortant du conseil d'administration, j'ai souhaité qu'elle ne soit plus attribuée à un élu, mais à une personnalité qualifiée. J'espère que cela continuera. Et de fait, comme ça a été rappelé, comme à chaque fois il y a le représentant du maire quand on fait des attributions de logements, j'ai souhaité, mais cette fois-ci en tant que maire de Grenoble, me faire représenter par Nathalie Béranger, donc membre des Républicains, histoire que les choses soient claires, à la fois sur que tout le monde puisse accéder à la transparence et à l'efficacité de ces dispositifs d'attribution, mais également que l'on sorte de toute idée que l'on pourrait avoir sur des passe-droits éventuels. Dire aussi que les bailleurs sociaux, de par leur engagement économique, plus de 50 millions d'euros d'investissement, sont des acteurs forts de l'économie aussi, de l'économie de proximité du territoire, de l'insertion aussi, avec dans les chantiers récents que nous avons inaugurés la semaine dernière avec la SDH sur la Villeneuve, plus de 3500 heures d'insertion sur la réhabilitation du 50 Arlequin, et que donc il y a là finalement une démarche qui est à mon sens très pertinente pour la métropole, parce qu'elle touche à la fois l'insertion économique, à la fois l'économie directement, la transition énergétique, le logement, et que donc nous pouvons nous féliciter d'avoir un bailleur qui sort en plus d'un audit de l'État, de la structure de l'État qui audite l'ensemble des structures du logement social et qui en sort conforté dans la pertinence de ses choix, conforté dans la pertinence de ses choix stratégiques, mais également conforté dans l'exigence de ses processus, de ses procédures, de la qualité du travail de ses agents. Et donc c'est un outil performant et en bon état sur lequel la référence, la métropole peut s'appuyer fortement aujourd'hui. Je crois que ça nous donnera des moyens d'action fort. Merci. Merci beaucoup. Je mets aux voix, avec l'ensemble des représentants que j'ai cités tout à l'heure, qui s'oppose, qui s'abstient de adopter. L'ajustement du tableau des effectifs, les créations de postes liées au transfert de compétences du conseil départemental de l'Isère vers la métropole dans le cadre de la loi NOTRe et les modalités de transfert. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure lorsque j'ai présenté la délibération sur les transferts de compétences du département. Donc, sont intégralement transférés à la métropole les services du département qui participent à titre exclusif à l'exercice de la compétence, notamment gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental et leurs dépendances et accessoires. Donc, les personnels des services précités qui remplissent en totalité leurs fonctions sont transférés de plein droit auprès de la métropole. Les modalités des transferts doivent faire l'objet d'une décision conjointe, respectivement du conseil départemental et du conseil de métropole. Par ailleurs, il y a également un accord sur le fonds d'aide aux jeunes et la prévention spécialisée, je l'ai évoqué tout à l'heure.
La répartition des 46 postes se fait donc ainsi. 28 transférés de plein droit, occupés ou vacants, affectés à la voirie. 16 postes transférés additionnels pour la voirie, avec une reconstitution de postes et de missions avec une bourse à la mobilité, permettant dans un premier temps aux agents du département de se positionner. Un poste transféré de plein droit pour la partie prévention spécialisée. Et enfin, un poste créé pour la partie fonds d'aide aux jeunes sur la base d'un financement transféré et clecté avec le département tel que cela a été indiqué tout à l'heure. Voilà pour ces éléments. Y a-t-il des observations? Pas d'observations? Patrick Durand? Un questionnement sur les... Dans la phase transitoire, je vois qu'on va jusqu'au 1er mai 2017, mais notamment les questions d'astreinte et de couverture d'astreinte entre les services des villes, les services de la métropole, toutes ces questions, comment on va y réfléchir, parce que c'est des sujets aujourd'hui qui viennent en débat. On a eu en discuter en commission d'appel d'offres sur un sujet particulier, mais donc ça serait bien qu'on réfléchisse comment on couvre cette question, avec les questions d'éclairage public au milieu, donc on a des sujets sur lesquels on a besoin de réaffirmer la place de chacun et les limites d'intervention sur tous les secteurs. Il y aura de toute façon des conventions de gestion qui nous permettent, on sait un peu comment les faire fonctionner, qui nous permettent d'avoir cet espace transitoire, qui nous permet encore une fois de ne en rien, de mettre en difficulté ces questions d'astreinte, ces questions qui sont essentielles au service public de proximité. Et de façon, lorsque les choses seront bien posées, nous pourrons ensuite basculer pleinement sur le dispositif ainsi posé. Je mets aux voix qui s'oppose, qui s'abstient. 2. La délibération est donc adoptée. L'expiration des contrats d'affermage conclus avec la société Veolia au Général des Eaux pour l'exploitation du service de l'eau sur les communes de Poisat, de Mélan et du Fontanil-Cornillon. Il s'agit des transferts des personnels affectés à l'exploitation de ce service suite à la reprise en régie, en gestion directe, du service par la régie de l'eau potable de Grenoble-Alpes-Métropole et création de postes. Et sur ce point-là, 3 transferts physiques d'agents et une création de poste en accord avec la société Veolia, un agent en longue maladie n'étant pas transféré et sa situation étant suivie directement par l'employeur, l'ancien employeur qui le reste. Voilà sur ces éléments, sur cette délibération. Est-ce que ça appelle des observations? Non, je mets aux voix qui s'oppose, qui s'abstient. Unanimité. Merci à vous. Nous passons sur le patrimoine avec le transfert de propriété à la métropole des biens de la ville de Grenoble au titre de la compétence eau potable. Vous avez la même sur la compétence voirie pour le site du Rondeau et la ville de Grenoble. Et vous avez le transfert de propriété également de la ville de Grenoble au titre de la compétence développement économique. Est-ce que ces 3 délibérations appellent des observations? Non, je mets aux voix la première qui s'oppose, qui s'abstient. Unanimité, même vote pour la deuxième. Même vote, ainsi il en est décidé. Même vote pour la troisième. Même vote, ainsi il en est décidé. Pour les finances et le budget, vous avez une note d'information sur les conditions et bilans des émissions de titres négociables court terme, anciennement dénommés billets de trésorerie du 11 octobre 2016 pour les budgets annexes assainissement et eau potable. Pas de débat. Pas de débat. Donc la note d'information a été bien prise en compte. Une autre note d'information sur la résiliation de la couverture contractualisée avec le Crédit Agricole, cible le 19 juillet 2011 et l'arbitrage du taux dans le contrat d'emprunt. Pas d'observation sur cette note. Pas d'observation. La constitution de provision pour amortissement des biens transférés au 1er janvier 2015 n'appelle pas de débat, j'ai l'impression. Je la mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? 2 abstentions. La DM2 du budget annexe déchets, collecte et traitement, l'exercice 2016, n'appelle pas d'observation. Je mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Abstention, Métropole d'Avenir, Front National. Participation 2016 au SMTC, pas d'observation. Je mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Abstention 2. La DM3 du budget régie d'eau potable, qui s'oppose, qui s'abstient, Métropole d'Avenir, Front National.
Budget principal et budget annexe de la métropole sur la gestion active de la dette. Le bilan au 25 octobre 2016 des opérations engagées et stratégie de gestion pour l'année 2017. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Métropole d'avenir, Front National. Modification du tableau d'amortissement de la dette effectuée en 2013 au budget annexe, collecte et traitement des déchets remboursés annuellement au budget principal. Même vote? Même vote, ainsi il en est décidé. Le budget annexe assainissement, il s'agit de réaménagement du capital restendu d'emprunt caisse d'épargne Rhône-Alpes pour compactage des contrats initiaux. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Abstention des deux groupes. Adopté. La DM2 du budget annexe assainissement, même vote? Même vote? Même vote, ainsi il en est décidé. Le transfert de solde entre la ville de Grenoble et la métropole pour le budget stationnement d'ouvrage. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Métropole d'avenir, Front National, adopté. La régularisation des recettes perçues et des dépenses réalisées en 2015 au titre de la régie de marché et sur le site de l'Esplanade entre la métropole et la ville de Grenoble. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Métropole d'avenir? Il y a un débat qui s'ouvre sur cette délibération-là? Ah, pardon, Elisabeth. Oui? Juste une question. Tu as dit que tu voulais passer les fêtes en bonne santé. Nous aussi, on aimerait bien, dans le coin, mais on se gèle vraiment trop. On a une soufflerie là, et je pense qu'on va être malade. Merci. Bien. Ma grand-mère disait que le froid conserve. Et on est dans l'amphithéâtre Claude Lorius, c'est effectivement pour se mettre dans les conditions. Et la température va chuter petit à petit vers moins 40. Et là, je suis sûr que les débats seront moins nourris. Bien, nous allons régler ça techniquement. Très bien, nous allons tout couper. Ça va peut-être être le plus simple. Nous allons voir. Alors, du coup, moi, je ne sais plus où j'en étais. Vous m'avez coupé, madame, mais très bien. C'est les recettes perçues et les dépenses réalisées au titre de la régie des marchés sur le site de l'Esplanade entre la métropole et la ville. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Métropole d'avenir, Front National. Le dispositif de dette récupérable pour la commune de Fontaine dans le cadre de l'évaluation des transferts de compétences liés au passage en métropole. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Métropole d'avenir, Front National. L'ouverture anticipée des crédits en section d'investissement des budgets prévisionnels sur l'exercice 2017, de façon à ce que les services puissent travailler, et les élus aussi, et les vice-présidents aussi. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Unanimité, merci. L'attribution de compensation, une régularisation des versements au titre de 2016 et les acomptes provisoires 2017. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Unanimité, tout le monde veut recevoir ses acomptes, c'est bien normal. Une convention relative à la gestion des services entre Grenoble-Alpes-Métropole et le département de l'Isère. La parole est à Raphaël Guerrero. Bonjour à tout le monde d'abord. Le président a exposé les transferts de compétences dans le cadre de la CLERCT avec le département pour faciliter la prise en compétences et la montée en puissance et le transfert des personnels. Et bien de proposer que pour les 4 mois à venir, le département continue à assurer les compétences et petit à petit la métropole prendra le pas. Et le bon exemple qui aurait pu en être un et qui en sera peut-être bientôt un, c'est sur le déneigement, où les agents qui s'assuraient du déneigement seront transférés au 1er mai et pas avant pour plus d'efficacité. Donc voilà la synthèse de cette délibération. Bien, est-ce que ça appelle des observations? Non, aucune observation, je la mets donc aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? 2. La délibération est donc adoptée. Il est presque midi pile et je suspends la séance pour la pause méridienne. Eh oui, voilà, mais c'est ça. C'est ainsi, mon Dieu, il est midi, généralement c'est l'heure, non? Mais chaque fois, c'est jamais la bonne heure, j'ai l'impression. Bien, nous prenons une heure.